N'Golo Kanté. Mais ce qui nous a marqué tous ici sur le plateau, c'est l'attitude très agacée. On l'écoute et on en débat juste après. Ah, je vous explique comment ça va se passer. En tout cas, je répondrai à aucune question. C'est normal. Sur ceux qui sont pas là et pourquoi ils vont faire l'euro, qui peut. Qui peut avoir des infos. Attendez. C'est vous qui l'avez. Il en a pas besoin, lui. Il s'en fout. Justement. Non, mais on peut pas être aimé qu'il nous merci. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, absolument. Attends. Et bah, il sourit. Non, mais attends. Pardonne-moi, excuse-moi, Raymond. Ça ne lui retombe pas dessus. Ribéry, lui, en novembre. Mais si, c'est une question normale. Il donne sa liste. Il a 23 joueurs. Il promet trucs qu'on lui dit. Justement. Oui, mais il peut. Dominique, d'abord, dans conférence 1, et la question revient. Parce qu'il n'y répond jamais. D'accord. Si une question exactement. Te gonfle, réponds. Si une question à Deschamps, il est logique. Les gens vont tirer selon les réponses de Didier. Bakary Sagna, il est évidemment votre mari, il est évidemment habitué aux conférences de presse. Est-ce qu'il se prépare justement? Pas du tout. Il va tranquille. Et, pas de média training. Non, ouais, mais on n'en a pas besoin. Mais lui, il ne lui demande pas quelle équipe il a fait, les 23 joueurs qu'il a sélectionnés. Il demande juste s'il est bien, il n'est pas bien, pousse en anglais comme sa personne. Ah, le jaloux. Non, mais c'est vrai, on peut se protéger. On ne parle pas complètement la langue. Bien sûr. C'est une protection énorme, on fait semblant de ne pas avoir compris. On passe. Mais, vous n'aviez qu'à faire sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, c'est ce que je vous dis. Il devrait faire ce qui se fait dans certains pays. On envoie la ligne et débrouillez-vous avec. Ça vous aurait plu. Bon, en tout cas, on va continuer avec la liste de Didier Deschamps. J'adore le foot et on va vous faire un petit jeu. Vous savez qu'il y a une application dont tout le monde... Et attention, c'est assez facile, il porte le même nom, regardez. Et... Merci pour cette facilité. Et Jean... mais c'est pas possible. C'est Philippe Vandel et Ludivine Sagna. Qu'en pensez-vous, Mehdi? Moi, j'aime bien, ça me rappelle. Je sais pas, j'y étais pas. Vu comme ça... Je trouve que ça ressemble... Il y a le numéro, il y a la pub qu'on voit. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est mieux avec le numéro. Avec le numéro. Mais je trouve que moi, de manière générale... Ça fait honneur à rien, là, attendez. Bah, c'est pas mal. C'est pas le maillot. Oui, on est comme ça. Tu attaques, tu regardes, on joue avec des potes. Il faut que les maillots soient symétriques. Moi, je dis... Bon, d'accord, je sais pas. Est-ce que ça va aller bien à Bakary? Oh ouais, j'en suis sûre. Ouais, moi, bon, tout va bien. D'accord. Alors. Non. Ah, oh là, j'ai fait un petit flop là. Bon, alors attendez. Hey. Il faut dire, ici, il y a un quart de. Ah ouais. Bon, la prochaine fois, on montrera le maillot équipe de France. Allez là, fais du bruit. Alors, Didier Deschamps, liste pour les matchs amicaux de l'équipe de France face au lancer avec vous. Je suis d'accord. Mais... Moi, j'ai mis Stéphanie parce que vous avez vu le titre de. Pas mal. Une deuxième euro, c'est dingue. C'est du. Regardez justement la prestation hier de Kingsley. Son mari est titulaire dans le couloir droit. Je suis désolé, mais bon, c'est. Il aurait pu la sélectionner. À mon avis, c'est le poste le plus. Pardonne-moi, Ludivine, le plus démuni. Voilà, j'aurais préféré voir. Il la mérite sa place quand même. Mais tout à fait. Il la mérite. Tout à fait. Évidemment, il la mérite. Bon, voilà. Moi, je trouve que. Sissoko, j'allais, il est même pas meilleur. Oui, mais enfin, il n'est pas français, donc évidemment, malheureusement, il ne pouvait pas. Moi, je suis d'accord. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Oui, donnez votre avis. Allez-y, mais marquez sans surprise. Oui, c'est sans surprise. Il a pris à peu près. S'il y avait un mois et demi, jusqu'à c'est la préparation. D'accord. Et si on part avec des gens qui, au bout de 15 jours, parlent de Dimitri pour ces deux matchs. C'est ça que vous aviez repéré, c'est le pour ces deux matchs. Il le fait avec. On n'y passe pas sur cette histoire de secteur Angleterre-France. Il fait du box-to-box qui est capable de se projeter vers l'avant. C'est le meilleur tacleur du championnat anglais également. Non, mais c'est ça que dans Didier n'a rien dit. Il a parlé de ses perfect listes pour cette liste, il a rien. Lui, il a des chances. Oui. Eh bien, vous savez quoi? Et vous vouliez saluer Mehdi, la personne. Non, on essaye maintenant. Attention, et après, on C'est Domenech. C'est l'euro. Il doit être déjà. Bien gêné avec l'histoire de Benzema, parce qu'il n'a pas vraiment son groupe, le groupe qu'il espérait et qu'il voulait. L'organisation, le fonctionnement, les emplois du temps, tu dois le savoir un petit peu. La logistique. C'est toute la logistique et l'état d'esprit des mecs. C'est dans ce dernier stage qu'on prépare tout. On ne fait pas des essais dans ce dernier stage. Non, mais à deux, trois exceptions. Mais là, quand est-ce qu'on leur donne leur chance Pour avoir une petite promesse. Tu peux peut-être. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des semaines et des semaines. Ah bon? Ludivine, Ribéry et Mathieu. Alors, Ribéry, comme je l'ai dit hier, j'espère qu'il sera à l'Euro. Bon, il est pas... Là, il est pas. Un petit pincement au cœur. Voilà, et il revendiquait sa place en équipe de France. Il voulait y aller. Et là, il y est, c'est une belle surprise. Et il a la confiance de Deschamps pour ses deux pour l'Euro. Pour lui. Voilà. Alors, on va écouter justement Didier Deschamps sur Franck Ribéry. On l'a dit, c'était la première question de la conférence de presse. Et il a dit, c'est pas d'actualité. Oui, c'est bien ce que je dis. Il a l'air d'être chaud sur rien ni personne. Il a l'air tellement le pied sur le frein. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Mais c'est bizarre parce qu'avant, il n'était pas comme ça. Potentiel, notamment offensivement sur les sports. Repris. Non, mais non. Même lui, il doit se dire. Non, mais c'est vrai. Il y a des cadres. Voilà, et non, puis c'est des cadres. Il faut les ramener. Dis, c'est un cadre. Mais Dini joue.
Ouais, il peut durer très longtemps. Il joue dans que la Roma n'est pas non plus exceptionnelle cette saison. Ouais. Bon, voilà ce qu'on va vibrer hier soir, contrairement à mardi soir où c'était une purge terrible. Et... Oui, et pendant ce temps-là, vous savez quoi, on va se faire un petit plaisir. Du match entre Arsenal et le Barça. Voilà, victoire 3-1 du Barça. Le Barça qui nous a régalé une nouvelle fois avec son trio infernal. Et c'est vrai que quand on voit, on se dit qu'effectivement, ce serait. Sur deux matchs, deux FC Barcelone. Ma a dit le pire tirage serait de tomber contre le Barça. Oui, ben, je vous remercie. C'est très catalan. C'est du Breton. Mmh. En même temps, il fait une pirouette. Et là, vous voulez dire qu'il est prétentieux, en fait. Mmh. Vous, Philippe ? Pour deux raisons. D'abord, parce que j'aime bien Benfica. Et puis, parce que ça va faire du monde. Super. D'abord, c'est pas une équipe qui est dans le top du top. Et deuxièmement, il y a une ferveur dingue. La télévision française fut le match France-Portugal en 2000. Qui regarde et ça me plaît. Moi, j'aime bien ces grands matchs. Je crois que c'était 21 millions et c'était en 2006. Et oui. Et vous saviez qui était sélectionnable ? Ne dites pas qu'il est à cette table. Benfica, parce que je pense que ça serait une. Deux également à me mettre à Manchester City. C'est-à-dire que vous pensez que Manchester City serait un bon tirage pour le Paris Saint-Germain. Moi, je vais laisser parler Francesca parce qu'elle va dire que. Oui, elle va faire plus rap, plus court en plus. Allez, sans. Disent Raymond et Francesca. En fait, je pense que ça va être le tirage. Je le sens bien contre Man City. Puis ça l'arrange comme ça, elle peut se déplacer pour revenir. C'est du hasard. Marie, elle est surprise. Pour gratter des petites places en loge, City. Donc, vous mettez Real Madrid comme tirage le plus simple, vous m'étonnez. Non, je mets Real parce que le Real et le PSG, c'est deux équipes que j'adore. Mm. Et je pense qu'il y a une revanche à prendre par rapport aux poules. Ils avaient perdu 1-0 au Real et puis 0-0 à Paris. Donc voilà, il y a une revanche à prendre et j'aimerais bien voir la confrontation Blanc-Zidane, deux champions du monde. Oui, ça, ouais, mais si on attendait la finale pour ça, ce serait bien. Bon, non, en tout cas, finale. Et dans les immanquables, nous 8e de finale du tournoi d'Indian Wells. Et j'espère qu'il sera. On espère que si j'y crois. Le mercredi ou le jeudi, dans l'émission du vendredi, on est tout le temps la queue entre les jambes. On n'arrive jamais. Mais le scénario ne se reproduise pas. Ou alors que ça s'arrête, qu'il pleuve et que le tournoi. Oh non, mais moi je suis sûr que. Non, mais ce serait tellement génial. De Coupe Davis, je vous rejoins, mais individuellement. De Marcel Desailly, hier dans l'émission, les vidéos. Vous allez voir que les pronostics. Génial. Non, mais moi je m'en régale, je me suis. Moi je l'adore, il est très marrant. Moi il m'avait appelé une fois, quand j'étais à Cannes. Voilà, voilà. En général, des films qu'on diffuse après les matchs. Voilà, bon, on a bien compris. Merci. Salut Thibaut. Il y a que ce qui mérite. La concurrence pour le titre de Ballon d'Or. Pour cette semaine. Il n'y a pas que le foot. Le dernier. C'est football, plaisir. Évidemment. Un tel qu'un match de basket. Et quoi ? Record du jour. On a tous fait des résolutions pour le nouvel an. Par exemple. Débile, il a tenté plusieurs sans succès de battre le record d'enfilage de chaussettes. Record était de... Allez-y, essayez. C'est pas possible. Attends, le ralenti. Non. Je vais demander le ralenti quand même. Le fruit défendu. Non, je t'assure, regarde. Sans tricher, en tout cas, on s'est dit... ça. Bien joué, Mehdi. Toujours pas fini son record. Ce pire, c'est que ça nous est tous. Non, on voit que c'était raté. C'était quelque chose, mais quoi ? Ou pas ? Le joueur, on demande notre avis ? Ah, ben, excusez-moi. On va faire découper, là. Ouais, alors, attendez, vous, attendez. Ouais, c'est vrai, non, mais. C'est ce qu'aurait fait Raymond, surtout. Ouais, c'est ça. Alors ? Je vais se faire découper, là. Non, je reste pas. Sur... Et vous, Raymond ? Ouais. Bah, moi aussi. Bon. Ouais. Bien sûr, Raymond 2, voilà.